Camarades, ici Crespo. Il y a dans l'air comme une tension planante, un air de déjà-vu, une effluve rampante, discrète au premier abord, mais persistante, résiduelle comme le parfum unique d'une boîte de rillettes périmée, oubliée au fin fond du frigo depuis 3 mois et qui, chaque fois que vous ouvrez la porte, vous rappelle par une odeur nauséabonde qu'elle est toujours là, comme cet ex qui ne veut pas vous lâcher et qui voudrait presque vous rembourser la différence parce que vous avez trouvé moins cher ailleurs. Pourtant, on aurait presque des raisons de se réjouir. Chez les banquiers, le taux de suicide est en hausse de plus de 25%. Chômage, récession, licenciement, puis plan de relance et injections financières comme autant de pilules Viagra impuissantes à stopper la chute des bourses de l'économie libérée. Nous assistons au dernier baroud du grand capital, son dernier assaut de la tranchée, pour l'honneur, comme on dit tous derrière, et lui devant qu'un plan impur abreuve nos sillons. Nos millions. Un ticket au premier rang pour le chaos mondial, inespéré, formidable, grandiose, même Luc Besson ne pouvait pas m'offrir ça. Et pourtant quelque chose est là qui ne dit pas son nom, qui s'installe, qui fait son nid d'aigle sournoisement comme une métastase. Toutes ces bottes, ces uniformes, ces caméras qui poussent comme par enchantement, ces camps de rétention pittoresques dans nos campagnes avec douches et télé pour touristes en mal de passeport, de préférence jeunes et bronzés, comme dirait Mussolini, enfin l'autre, le mafieux, je les confonds tout le temps. Et ces nouvelles valeurs fédératrices, de nouveau au goût du jour, que sont l'ordre, la discipline, la sécurité, la patrie, l'identité, la culture, la jeunesse et le sport. Le sport? Bernard, la porte. Évidemment. Uniquement à condition de ne pas trop siffler la Marseillaise, mais moi de toute façon je ne la chante pas, donc je ne me sens pas concerné mais cerné par des cons. Tout ça me rappelle quelque chose, vous dis-je. Proust aurait dit Madeleine, Madeleine, mais je dirais plutôt pastilles Vichy. Et je n'aime pas les pastilles Vichy, et je n'aime pas l'ambiance qui est en train de s'installer. Car lorsque la police fait la sortie des écoles avec des chiens dont on se demande lequel des deux tient le bon côté de la laisse, des bergers allemands en plus, cette fois je n'y suis pour rien, et fouillent sans ménagement des collégiens au nom de leur sensibilisation, on est en droit de se demander si le mot démocratie ne cache pas en fait une consultation médicale pour appendicite aigu, autrement dit un toucher rectal, et si, comparé à ce salaire de merde âprement concédé par un patron ingrat ou condescendant, la lutte armée ne pourrait pas s'inscrire dans un processus de développement durable de nos existences personnelle. Pour les plus curieux, je conseille à ce sujet l'excellent manuel intitulé « De l'usage du Kalachnikov contre l'ordre établi », disponible en bulgare et paru aux presses des Balkans. Et pour conclure ma pensée, je citerai le grand colonel Carpentras au matin du 6 juin 1944, bien avant le débarquement, s'adressant à ses hommes dans une phrase riche en métaphores dont seuls les vieux militaires ont le secret. « Là-bas, ça va sentir le Mauser et le Mosinagant, et la seule biatch que vous verrez s'appelle Oma et se chausse en 88. Sachez que le mauvais nazi est pire que le bon nazi, et qu'il n'y a pas de bon nazi. Bonsoir. »